Arlequin ? Mon patron. Que deviendrons-nous dans cette île ? Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos amis ont péri et j'envie maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppé, je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons. Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà. J'en boirai les deux restes et puis je vous donnerai le reste. Et ne perdons point notre temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette race-là ? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltée contre leur maître et qui, depuis 100 ans, sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens. Voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Hey. Chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Hé, hey, encore vit-on ? Je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie. Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre ? Je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc ? Que veux-tu dire ? Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Parle donc, as-tu perdu l'esprit ? À quoi penses-tu ? Je suis Ficrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait cela. Alors, hâtons-nous, faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, comme vous tournez cela. Won't you help to sing these songs of freedom. Mais je te comprends point, Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdins qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Et ne sais-tu pas que je t'aime ? Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules et cela est mal placé. Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. S'ils sont en vie, cela se passera et je m'en goberge. Mais moi, j'ai besoin d'eux. Oh, cela se peut bien. Chacun ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah, ah. Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître ? Et n'es-tu plus mon esclave ? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu me diras ton sentiment. Je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux en ce monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi.
Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis ? Misérable, tu ne mérites pas de vivre ! Doucement. Doucement. Tes forces sont bien diminuées car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Arrêtez ! Que voulez-vous faire ? Corriger l'insolence de mon esclave. Votre esclave ? Pour vous tromper. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Que le ciel vous tienne gaillard ! Brave camarade que vous êtes ! Comment vous appelez-vous ? Est-ce mon nom que vous demandez ? Oui, vraiment. Je n'en ai point, mon camarade. Quoi donc ? Vous n'en avez pas ? Non, mon camarade. Je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Harlequin, quelquefois Hé. Hé. Le terme est sans façon. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il ? Au diantre ! Il s'appelle par un nom, lui. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, on changeait de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin. Ou bien... Hé. Hey. Oh, nous allons rire, seigneur Hé. Hey. Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oh, oui, corrigeons. Marot ! Pardonnez, parlez donc, mon bon ami, voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu ? Dans ce moment aussi, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Harlequin ! Votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable. Et nous aussi, tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Harlequin et que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Ah, la belle charge ! Moi, l'esclave de ce misérable ? Il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à être bien obéissant, j'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bâton. Camarade, il demande à parler à mon dos. Je le mets sous la protection de la République, au moins. Ne craignez rien. Monsieur, je suis esclave aussi et du même vaisseau. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition et votre habit. Je vais vous parler de ce qui vous regarde. Laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Harlequin. À propos, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer. Vous savez qui nous sommes, sans doute. Morbleu d'aimables gens. Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Allez. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île. Et conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit. Et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons, par charité, pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos concitoyennes. Ce sont nos lois à cet égard.
Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet un homme dur, injuste et superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Le tout gratis, sans purgation ni saignée, mais peut-on de la santé à meilleur compte ? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous les tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. C'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire ? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera cette case avec le nouvel Arlequin et cette belle fille demeurera dans l'autre. Passez maintenant dans une maison qui est à côté, où on vous donnera à manger si vous en avez besoin. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours à vous réjouir du changement de votre état. Après quoi, on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Qu'on les conduise. Et vous autres, restez. Ah, ça, ma compatriote. Car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis et elle, Euphrosine. Cléantis... J'ai aussi des surnoms, vous plaît-il de les savoir ? Oui, da. Quels sont-ils ? J'en ai une liste. Sotte. Sotte. Ridicule. Bête. Ridicule. Butorde. Bête. Imbécile, etc. Impertinente que vous êtes ! Ah, tenez, en voilà un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur les fêtes. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui... l'on peut en dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde ? Dans l'étrange aventure où je me trouve ? Oh, oh dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien d'aussi commode. On n'avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonies ? Faites cela, je le veux, taisez-vous, sotte. Voilà qui était fini. Mais à présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps, il faut se donner patience. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle amende. Mais, comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible... que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donné chez vous contre leur pareil. Tout ce que j'ai pu faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté le tort que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Tenez, tenez, tout cela est trop savant pour moi, je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin. Je pèserai comme elle pesait. Ce qui viendra, nous le prendrons. Doucement. Point de vengeance. Mais, mon bon ami, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ses mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons qui est-ce qui décidera. Ne suis-je pas la maîtresse, une fois ? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune. Et puis moi, je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait, qu'elle attende. Quel discours ! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre ? Souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Éphrosine, modérez-vous. Et que voulez-vous que je vous dise ? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu, voyez-vous. Quand je l'aurai querellée à mon aise 12 fois seulement, elle en sera quitte, mais il me faut au moins cela. Il faut que ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous n'en pensez. J'espère, Éphrosine, que vous perdrez votre ressentiment et je vous y exhorte un ami. Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint.
afin qu'ils se connaissent, qu'ils rougissent de ses ridicules, si elle en a, et qu'ils se corrigent. Nous avons là des bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Oh, que cela est bien inventé. Allons, me voilà prête. Interrogez-moi, je suis dans mon port. Vous prie, monsieur, que je me retire. Hélas. Et que je n'entende pas ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Non, restez. Restez, un peu de honte est bientôt passée. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regardait-il? Vaine, minaudière et coquette, si cela la regarde? Mais voilà, ma chère maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez. C'est bon signe. Et j'inaugure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, trouvez-vous le défaut dont nous parlons? En quoi? Partout. À toute heure, en tout lieu. Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? Je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses. J'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces que cela se brouille. Madame se tait. Madame parle. Elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie. C'est tout un, il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée. C'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. C'est... Madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre ou alors les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela. Je n'y saurais tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. Madame se lève, a-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite, sur les armes. La journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour, il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment, il est en état, il n'y a rien à craindre. Développe assez bien aussi. Madame, au contraire, a-t-elle mal dormi? Qu'on m'apporte un miroir. Comme me voit la fête. Que je suis mal battue. Cependant, on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons, mais rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même le jour si elle peut. Du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient compagnie. On entre, que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en l'est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non, il y a remède à tout. Vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose me montrer. Je fais peur. Et cela veut dire... Messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi, au moins. Ne me regardez pas. Remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela. Car nous autres, esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Oh, ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Profitez de cette peinture-là, car elle me paraît fidèle. Je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2/3. Et j'achèverai pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame se tiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? Ah, si, j'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Ah, cette femme-là est aimable, disiez-vous. Elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus,
Vous ouvriez les vôtres. Vous vous donniez des tons, des gestes de tête, des petites contorsions, des vivacités. Oh, je riais. Et vos réussites, pourtant, le cavalier Cypris, il vous offrit son cœur. À moi ? Lui dites-vous ? Oui, madame, à vous-même, tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Ah, continuez, folâtre, continuez ! Dites-vous en ôtant vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle. Il la vit, il la prit, il la baisa. Cela anima sa déclaration. Et c'était là les gants que vous me demandiez. Eh bien, y suis-je ? En vérité, elle a raison. Écoutez, voici le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je m'en doutais pas, je parlais d'elle. Et je dis, oh, ah pour cela, faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bonté pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valut-il pas ? J'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très, très raisonnable. Ah, je n'eus rien. Rien, cela ne prit point et c'était bien fait car je la flattais. Monsieur, je ne resterai point. On me fera rester par force, je ne puis en souffrir davantage. Voilà donc assez pour à présent. J'allais parler des vapeurs de miniardise auxquelles madame est sujette à la moindre vapeur. Elle ne sait pas qu'un jour, je mis des fleurs à son insu dans la ruelle de son lit pour voir ce qu'il en serait. J'attendais une vapeur. J'attends toujours. Le lendemain, en compagnie, une rose parut. Oh ! Et une vapeur aussi. Cela suffit, Euphrosyne. Promenez-vous un moment à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle vous rejoindra ensuite. Recommandez-lui d'être docile au moins. Adieu, mon bon ami. Je vous ai diverti. J'en suis bien aise. Ah, une autre fois, je vous raconterai comme quoi madame s'abstient souvent de mettre de beaux habits pour en mettre un négligé qui lui marque bien la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. On dirait qu'une femme qui le met ne se soucie pas de paraître, mais à d'autres. On s'y ramasse dans un corset appétissant, on y montre sa bonne façon naturelle et on y dit aux gens « Regardez mes grâces, elles sont à moi, celles-là. » Et d'un autre côté, on veut aussi leur dire « Voyez comme je m'habille. Quelle simplicité. Il n'y a point de coquetterie dans mon... » Je vous ai prié de nous laisser. Je sors. Et tantôt, nous reprendrons un discours qui sera fort divertissant. Car vous verrez aussi comme quoi madame entre dans une loge de spectacle. Avec quelle emphase, avec quel air imposant. Quoi ? Que d'un air distrait et sans y penser. Car c'est la belle éducation que cet orgueil-là. Vous verrez comme dans la loge, on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté et qu'on ne connaît pas. Bonjour. Bonjour. Je vais à l'auberge. Cette scène-ci vous a un peu fatiguée. Mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares ! Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore à satisfaire à une formalité. Encore des formalités ? Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets de toutes les singeries d'amour propre qu'elle vient de vous attribuer ? Moi, j'en conviendrai ! Quoi de pareilles faussetés sont-elles croyables ? Oh, très croyables, prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que, vous étant reconnu, vous abjurerez un jour de toutes ces folies qui font qu'on aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si, au contraire, vous ne convenez pas à ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance ? Et puis-je l'espérer ? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt ? Sans doute.
Oh, monsieur, faites donc comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? Non, en vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons. Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'elle a fait? Mais... Quoi? Il y a du vrai. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est point mon compte. Avouez-vous tous les faits? En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous voulez une réponse si exacte? Mais oui, madame. Et le tout pour votre bien. Eh bien... Après? Je suis jeune. Je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Yeah! Oui. Voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille. Je suis content, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis, je lui rends déjà son véritable nom, pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point, montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous. Old pirates, yes, they're a buy. They're a buy. Sold I to the merchant ships. Merchant ships. Minutes after they took I. They took I. From the bottomless pit. Qu'est camarade? Le vin de la République est merveilleux. J'en ai bru bravement ma pinte. Car je suis si altéré depuis que je suis maître. Que tantôt j'aurai encore soif pour peinte. Que le ciel conserve la vigne, le vigneron, la vendange et les caves de notre admirable République. Oh, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui, c'est un bon enfant. J'en ferai quelque chose. Il soupire parfois. Et je lui ai défendu cela sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Réjouissez moi-même. Quand je suis gay, je suis de bonne humeur. Fort bien, fort bien. Je suis charmé de vous voir satisfait d'Arlequin. Mais vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Eh, là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, car il était quelquefois insupportable, mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé, je lui donnais quittance. Je vous aime, ce caractère, et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de peine? De la peine? Oh, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent, à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître, vous avez raison. Oui, car quand on est le maître, on y va rondement. Sans façon. Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, n'importe, je vois bien que vous n'êtes point méchant. Hélas, je ne suis que mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah, mon camarade, vous avez de la malice.
Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu leur dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon. Après. Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Mmh. Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre davantage. Autant, pardon. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie. Parce que... les femmes les aiment comme cela. Indiceptou. Vilain. Quand il faut être libéral. Libéral. Quand il faut être vilain. Bon emprunteur. Mauvais payeur. Honteux d'être sage. Glorieux d'être fou. Un petit brin moqueur des bonnes gens. Un petit brin hableur. Avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non. Je n'en ferai rien, mon ami. Ne crains rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien. Si cela est, il y a là quelque chose qui pourrait assez me convenir, d'une certaine façon. Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Vous voulez que je m'avoue un ridicule? Qu'importe quand on a été. N'avez-vous que cela à me dire? Va donc pour la moitié, pour me tirer d'affaire. Va du tout. Soit. Vous avez fort bien fait. Vous n'y perdrez rien. Adieu. Vous serez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Épicrate, puis-je vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon arlequin. Mon arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Ah. Cela me surprend. Il a la mine d'un homme raisonnable. Vous voulez voir la mine d'une coquette de son propre aveu? Regardez ma suivante. Oh, malpeste. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Mais parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Qu'est-ce que nous ferons à cette heure que nous sommes gaillards? Eh, mais la belle conversation... Je crains que cela ne nous fasse bailler, j'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Oh, oh, eh bien, faites, soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur, prenez-le si vous le pouvez... Je ne vous en empêche pas. C'est à vous de faire vos diligences. Me voilà, je vous attends. Mais traitons l'amour à la grande manière. Puisque nous sommes devenus des maîtres, allons-y poliment, comme le grand monde. Oui, da, nous n'en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose, qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état. En goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin vite des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour vous. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. Allons. Procédons noblement. N'épargnez ni compliments, ni révérences. Et vous, n'épargnez point les mines. Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite, qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Oh. Wow. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre.
Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame. Comment vous lui ressemblez? Et pas le sembleux. Le moyen de n'être pas tendre quand on est en tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous donc, vous défigurez notre conversation? Mais non, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Je savais que mes appâts entraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi. Vous me dites des douceurs. Mais finissons. En voilà assez, je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez, je le vois bien. Dites, monsieur. Dites. Heureusement, on n'en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas. Faut-il que je m'agenouille, madame ? Pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux. Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d'affaires. Levez-vous. Oh, oh, quelle vivacité! Faut-il vous dire qu'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Ça va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons. Ouh. Mais nous sommes plus sages. Oh, vous riez, vous gâtez tout. Oh, par ma foi, vous êtes bien aimable, moi aussi. Savez-vous ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas, sinon par coquetterie, comme le grand monde. Pas encore. Mais il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous, m'aimez-vous? J'y allais. Quand il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Et vous, que pensez-vous de ma suivante? Qu'elle est friponne. J'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'Arlequin et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Cette imagination-là me rit assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer, dans le fond. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez à Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse. Il sortira tout d'un coup d'esclavage. Tout cela est bien aisé au bout du compte. Et je n'étais ces jours passés qu'une esclave. Mais enfin, me voilà dame et maîtresse d'un aussi bon jeu qu'une autre. Alors, je la suis par hasard. N'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition, tout le monde me l'a dit. Pardi, moi je vous prendrais bien, si je n'aimais pas votre suivante un petit brin plus que vous. Conseillez-lui aussi de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais rappeler Cléantis, je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commence. Mon sexe, la bienséance et la dignité le veulent. Ah, ils le veulent si vous voulez. Car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques petits mots clairs à l'aventure pour lui donner courage, à cause que vous êtes plus que lui, c'est l'ordre. Oh, c'est assez bien raisonné. Effectivement, dans le cas où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille. Mais parlez-lui toujours. Je vais dire un mot à Cléantis. Tirez-vous à quartier pour un moment. Vantez mon mérite. Prêtez-moi un petit peu, juste à charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis ! Approchez, approchez. Accoutumez-vous à aller plus vite. Je n'ai pas que ça à faire. De quoi s'agit-il ? Venez ça, là. Écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux? Ah, c'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour?
Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, hein, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux n'ont fait que cela. Dédaignait-il la conquête du seigneur Iphicrate? Il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est point une tête légère. Un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret. Ce n'est point tout cela. Ces grâces-là lui manquent, à la vérité. Ce n'est qu'un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs, et qui vous dira qu'il vous aime seulement parce que cela sera vrai. Et enfin, ce n'est qu'un bon cœur. Voilà tout. Et cela est fâché, cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable, je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici et vous aurez la bonté d'estimer son amour et vous y serez sensible, entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère, imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Eh? Comme voulez-vous? Eh, eh! Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Eh, hey, là! Là! Regardez-moi dans l'œil, pour deviner ma pensée. Et pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. Je sais que je n'ai encore rien dit. Wow. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état! Vous me trouvez un peu nigaud. N'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime. Et que je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Et pardi, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur, aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Quelle main ravissante. Les jolis petits doigts. Que je serais heureux avec cela, mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre, mais vous ne voyez rien. Si vous aviez la charité d'être tendre aussi, je deviendrais fou tout à fait. Tu ne l'es que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Je suis digne que de pitié, mon enfant. Bon! Bon! À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'en dites-vous? Harlequin, il semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Oh. Ah, mais il s'en fait plus de cette patte-là. Mais je suis un mouton, moi. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Voilà l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent. Tu peux ici m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la pitié de tout le monde, moi! De la tienne même, Harlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas si misérable? Tu es devenu libre et heureux. Dois-tu te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je n'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantis m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles injures à me faire? Notre personnage qui va me demander encore ma compassion.
Je n'ai rien à te dire, mon ami, sinon que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Voilà tout. Bah, qui diantre en as-tu ? Peux-tu me le demander, Arlequin ? Eh bien, pardi, oui, je le peux, puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt, mais on me trompe. Et c'en est fait. Je succombe. Je me meurs, Arlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffertes de toi. Il nous manquait plus que ça. Et nos amours auront bonne mine. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, passe, je te le permets. Les dieux te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent ? D'avoir eu du mal toute ma vie ? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien ne m'a été plus sensible, je l'avoue. Tu es né ? Tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais. Et cela m'attachait à toi. Et qu'est-ce qui te dit que je ne t'aime plus ? Tu m'aimes et tu me fais mille injures ? Parce que je me moque un petit brin de toi ? Cela empêche-t-il que je t'aime ? Tu me disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries ? Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. C'est la vérité ! Et par combien de bonnes actions ai-je réparé cela ? Cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts ? J'ai plus parti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ta mauvaise humeur. Ton autorité. Et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va, tu n'es qu'un ingrat ! Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût pénétré moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu as raison, mon ami. Tu me remontres bien mon devoir ici pour toi, mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction ? Et tu n'as jamais partagé la mienne. Eh bien, va ! Je dois avoir le cœur meilleur que toi. Car il y a plus longtemps que je souffre. Et je sais ce que c'est que d'avoir de la peine. Tu m'as battu par amitié, puisque tu le dis. Je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je les prierai de te renvoyer. Et s'ils ne veulent pas, je te garderai comme mon ami. Car je ne te ressemble pas, moi ! Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, face le ciel, après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant. Oublie que tu fus mon esclave. Et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ne dites point comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, je n'aurais peut-être pas mieux valu que vous. C'est à moi à vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu quand vous n'étiez pas raisonnable. C'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Mon pauvre patron, qu'il ait de plaisir à bien faire. Je ne saurais retenir mes larmes. Fais ce que tu veux. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il semble que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, notre projet. Et enfin, je veux être homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet ? Je me repens de mes sottises. Lui, des siennes. Repentez-vous des vôtres. Madame Euphrosine se repentira aussi et vive l'honneur après. Cela fera quatre beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ah, ma chère Cléantise, quel exemple pour vous ! Dites plutôt quel exemple pour nous. Madame, vous m'envoyez pénétrer. Ah, vraiment, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fille, que cela est vilain de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux.
Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions point d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapé? Il s'agit de vous pardonner? Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela, et en valiez-vous mieux? Alors que faut-il donc? Hein? Nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne dans les exemples et vous demandez et qui vous passe. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure. Faites-les superbes. Vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons le bien sans dire d'injure. Ils sont contrits d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien. Car quand on se repent, on est bon, et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Approchez, madame Euphrosyne. Elle vous pardonne, voilà qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantis, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi. Je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Mais voilà qui est fait. Je veux bien tout oublier. Faites comme vous voudrez. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. S'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Et si vous m'en faites encore, ce ne sera pas de ma faute. Ah, la brave fille. Ah, le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Viens, que je t'embrasse, ma chère Cléantis. Mettez-vous à genoux, pour être encore meilleure qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine la force de répondre. Ne parle plus de ton esclavage, et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés. Si nous retournons à Athènes... Que vois-je? Vous pleurez, mes enfants? Vous vous embrassez? Ah! Vous ne voyez rien? Nous sommes admirables? Nous sommes des rois, des reines? Enfin finale, la paix est conclue. La vertu a arrangé tout cela. Il nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est? Vous voyez aussi mon dernier mot qui vaut bien des paroles. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants. C'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosyne, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous retrouverez Athènes. Que la joie à présent, et que les plaisirs succèdent au chagrin que vous avez senti et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable.